Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau au Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. Pour ceux d'entre vous qui auraient manqué les précédentes informations, j'ai une bonne nouvelle, on va faire un mini récap. À commencer par le concept de l'hôtel qui réside dans son nom. Le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. C'est un nouvel hôtel Disney, 4 étoiles, qui rend hommage à New York. New York étant la ville qui a vu naître les premiers héros Marvel et certains des plus grands artistes qui les ont créés. D'ailleurs, l'hôtel accueillera une des plus grandes expositions d'art Marvel au monde, avec plus de 350 œuvres d'art exposées, créées par plus de 110 artistes de Marvel Studios et Marvel Comics. Est-ce que vous savez qu'il y a une cinquantaine d'œuvres d'art qui ont été créées tout spécialement pour l'hôtel et qui, de ce fait, sont absolument inédites? Le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, c'est aussi un confort contemporain, des services personnalisés et une célébration de la culture, du design, de l'architecture, du côté cosmopolitain et de l'énergie vibrante de New York. On va faire un petit bond en arrière. Souvenez-vous, en décembre dernier, en compagnie de Giona Peverte, notre ambassadeur, et Sylvie Massara, la directrice artistique sur ce projet, nous avions visité ensemble certains lieux de l'hôtel qui étaient encore en cours de construction. Et aujourd'hui, nous sommes de retour dans le lobby. Et comme vous pouvez le voir, ici, depuis le front office, les références à New York et à l'univers Marvel sont omniprésentes. Que ce soit à travers l'architecture, où il y a eu un gros travail sur la verticalité, le design, le choix des matériaux, des couleurs que l'on va retrouver sur les sols, les murs, les plafonds, les éléments décoratifs, le mobilier, les luminaires, chaque élément a été étudié très scrupuleusement et trouve sa place pour renforcer l'immersion dans un environnement new-yorkais résolument contemporain et moderne pour nos visiteurs et les cast members. Et en parlant de cast members, j'ai le plaisir de vous présenter Pilar Amil, la directrice de l'hôtel. Bonjour Pilar. Merci Thomas. Bonjour tout le monde. Today, I am so happy to be able to share with you more updates on Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. As you can see, we're still under construction, but everything is progressing very well. In fact, we're putting the finishing touches. And I am so happy to be able to take over this beautiful hotel from the FAM team, who have done a fantastic job with making it what it is today. And once I have the keys and all my cast members with me, we're going to open this beautiful hotel. I can tell you that all of our cast members are so excited and impatient to be able to welcome our guests and our fans from all over the world. They will have a very important role to play in the hotel. They will truly encompass what is the art of Marvel. And to do so, we have created this wonderful training for them in conjunction with the training team and our partners from Marvel in the USA. What we're gonna do is we're gonna train them on an immersive escape game that will allow them to learn every nook and cranny of the hotel. They will also learn different styles of art, for example, pop art, street art, or realism, just to name a few. The costumes they will wear are absolutely fantastic. They are slick, they're modern, and they have this wonderful touch of Marvel. And to be complete, of course, we have our name tags. And I am so happy to be able to announce to you today that our cast members will wear a specially designed name tag that will be only for this hotel. So we're excited about that, and you will have the opportunity to see that very, very soon. Merci Pilar. Je suis sûr que les cast members sont impatients de porter ces costumes et surtout de venir faire vivre des expériences inoubliables à nos futurs visiteurs. Et maintenant, allons au Skyline Bar. Nous sommes maintenant en compagnie de Frédéric Kenneck, chef barman au Skyline Bar. Il va partager aujourd'hui avec nous une recette d'un mocktail inspiré par Marvel à reproduire à la maison, histoire de patienter d'ici l'ouverture de l'hôtel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une boisson inspirée de l'univers Marvel. Il sera composé de nectar de kiwi, de nectar de banane, de jus de pomme, de purée de myrtille et de spiruline. Thank you.
Ça a l'air excellent. Merci Frédéric. Et merci à toutes et à tous. Et rendez-vous très prochainement pour de nouvelles informations épiques sur le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel.